Je vous propose d'accueillir Imène Mehreni, qui est directrice générale de FDE Transport. Monsieur, vous pouvez rester là pendant l'intervention de Madame Mehreni. Si, voilà, je vous propose de nous rejoindre sur l'estrade. Donc, pour nous présenter FDE Transport, donc transport de marchandises, qui a fait le choix stratégique, et on verra si effectivement vous vous êtes retrouvé en matière de compétitivité. Vous avez fait le choix de la mobilité gaz. C'est ça. Bonjour à tous. Je me permets de présenter. Donc, c'est Imène Mehreni. Il n'y a pas de souci. Je vais devoir laisser finalement partir. D'accord. Dans la table ronde, je suis désolé. Et on peut effectivement les remercier. Mais moi, je reste avec vous. Il n'y a pas de souci. Donc, Imène Mehreni, directrice générale des transports FDE. Tout d'abord, je suis ravie et honorée de participer à ce congrès qui me permettra de présenter tout d'abord notre société et puis succinctement les enjeux de l'impact du gaz sur les sociétés de transport. J'ai préparé des petites présentations, donc on attend un tout petit peu. Attendant, okay. Vous nous présentez FDE Transport. D'accord. Ça, j'imagine que alors, vous la connaissez bien. La société FDE Transport est une société de transport routier de marchandises qui a été créée en 1999. Elle dessert toute la France via sept agences qui sont implantées sur Paris, sur Lille, Lyon, Le Havre, Compiègne et Marseille. Donc via... C'est OK. D'accord. Donc, elle dessert toute la France. Et actuellement, le groupe FDE, il dispose de 502 collaborateurs, de 495 cartes grises, ce qui lui permet de répondre aux attentes de ses clients en traction, en transport express, en transport environnemental, tout ce qui est transport de déchets, ainsi que la distribution au dernier kilomètre. Depuis l'année 2018, et avec l'accompagnement de notre partenaire Iveco, plus précisément Iveco le poids lourd 92, nous avons entamé notre démarche environnementale en investissant sur des tracteurs roulants au gaz. Cette transition était une transition très progressive. Tout d'abord, on avait acheté 4 camions gaz, et puis après, on a fait une montée en charge rapide. Et actuellement, après 3 ans, on a 25% de notre parc, il roule au gaz naturel. Et nous ambitionnons que notre flotte roulera au gaz à 95% d'ici l'année 2024. La question qui nous pose tout le temps, pourquoi avez-vous choisi d'investir et de rouler sur les camions à gaz? Donc, rouler avec un camion à gaz, il nous permet de réduire jusqu'à 25% d'émissions des gaz à effet de serre. Il nous a permis aussi, surtout, de réduire de 90% les émissions de particules fines et des polluants atmosphériques. Rouler au gaz donc, nous permet de contribuer en tant que transporteur à améliorer la qualité de l'air que nous respirons tous. Apporter le gaz naturel et aussi offrir confort et sécurité à nos salariés. Le confort supplémentaire, il vient de la réduction du bruit des moteurs. En effet, un moteur qui roule au gaz, il émet à moins de 10 décibels de bruit de moteur que les véhicules qui roulent au gaz. Ceci est très important pour des salariés qui passent des heures dans une cabine de camion à parcourir des centaines de kilomètres. En ce qui concerne le confort des salariés aussi, qui nous ont fait une remontée, ils étaient agréablement touchés par le fait qu'ils n'ont plus à supporter les désagréments olfactifs du gasoil et du fioul. Et enfin, de point de vue sécurité, le gaz étant moins inflammable que le fioul, il se dissipe plus rapidement à l'air libre, ce qui fait de lui un carburant sécuritaire. Donc cette transition présente de nombreux avantages, mais, et bien sûr il y a toujours un mais, cette transition entraîne également des contraintes économiques pour les sociétés de transport, notamment avec l'instauration de la ZFE, la zone à faible émission. En effet, la transition vers le gaz n'est plus un choix, et ça devient une obligation pour les sociétés de transport. Une obligation qui nous impacte économiquement. En effet, nous, FDE, qui a commencé tout seul à prendre l'initiative environnementale, on se trouve actuellement à être obligé à investir dans les camions à gaz. Ce n'est plus un choix, c'est une obligation. Une obligation qui nous impacte économiquement. En effet, et d'un point de vue économique,
Un camion qui roule au gaz est un véhicule qui coûte 40% plus cher qu'un véhicule qui roule au gaz. Le coût de l'entretien du véhicule... 40% plus cher qu'un camion au gazole. Oui, qu'un camion au gazole. Le coût de l'entretien de ce véhicule est aussi plus élevé que l'entretien d'un véhicule qui roule au gazole. Le prix du gaz, qui est actuellement moins cher, et on le sait, que le prix du fioul, mais ceci est neutralisé par la perte de la TIPP, une perte qui n'est pas négligeable concernant les sociétés de transport. En effet, ces coûts supplémentaires sont difficilement répercutables sur nos prix de vente. Et actuellement, il y a une question qu'on se pose tous en tant que société de transport. Est-ce qu'un jour, et d'ici 2024, est-ce qu'il y aura autant de stations qui vont être ravitaillées au gaz et qui nous permettront, nous, société de transport, tous confondus, parce qu'actuellement, il y en a d'autres qui roulent au gazole et nous qui roulons en gaz, est-ce qu'on pourra avoir les stations nécessaires pour qu'on puisse se ravitailler ou bien nos chauffeurs, ils vont perdre leur temps à faire des kilométrages supplémentaires afin de chercher des stations pour se ravitailler ou à attendre et passer du temps dans les files d'attente pour pouvoir se ravitailler. Donc, il est clair qu'actuellement, on est soutenu par des clients qui nous partagent nos valeurs de l'environnement et qui nous encouragent à continuer dans cette démarche environnementale. Je cite, et d'une façon non exhaustive, nos clients comme Viapost, nos clients comme Chronopost, Colipost, DHL, DPD, ainsi que tous ceux qui nous ont permis de contractualiser sur une période de 5 ans. Mais malheureusement, ces aides et soutiens ne suffisent pas à faire face aux difficultés au niveau de l'investissement. Étant donné que les aides allouées aux sociétés de transport, notamment les sociétés de transport de notre taille, sont disproportionnées. En effet, et malheureusement, nous, en tant que société de transport de plus de 50 salariés, on ne bénéficie que du suramortissement. Le suramortissement qui était prévu à être arrêté déjà en fin 2021. Donc, 6 ans prolongés, c'est que certainement qu'il va y avoir encore une date d'arrêt de cette aide. Mis à part ces aides-là, donc, on supporte tous les coûts supplémentaires relatifs aux investissements des véhicules à gaz. À ce titre, nous demandons vraiment à l'État de donner plus d'intérêt aux sociétés de transport, de nous accompagner et de nous faire bénéficier des aides sans faire une restriction ni par rapport aux effectifs, ni par rapport aux chiffres d'affaires, et accompagner toutes les entreprises de transport. Tout à l'heure, en fait, on ne parlait que des industriels, et je n'ai pas du tout entendu qu'on parlait des transporteurs, alors que c'est nous qui, avec les émissions, on peut réduire vraiment les émissions des effets de serre et améliorer la qualité de l'air. Donc, actuellement, les sociétés qui bénéficient des aides ne sont que les sociétés de moins de 50 salariés. Et nous souhaitons que toutes les aides seront vraiment pour toutes les sociétés de transport ainsi que pour tout type de véhicule. D'une part, nous, sociétés de transport, nous espérons continuer à coopérer avec des entreprises qui s'inscrivent dans la même philosophie que nous, qui nous soutiennent et qui partagent nos valeurs. Et nous demandons d'autre part une vraie prise de considération de l'État ainsi que des collectivités locales, nous permettant ainsi d'avoir une croissance durable dans un environnement viable. Merci à tous.